Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Elite Dangerous Horizon. On va se rendre dans une autre station que celle-ci. J'ai regardé vite fait les missions, j'ai vraiment rien d'intéressant, c'est d'une tristesse infinie. Du coup, je pensais qu'on allait se rendre potentiellement entre guillemets à. Oula, par contre, il faudrait peut-être que je regarde devant moi. Ouais, c'est bon, je suis même pas sur la bonne ligne, mais c'est pas grave. Où est-ce qu'on pourrait se rendre? Mais. Pourquoi je suis pas dans le système seul? Pourquoi je suis pas dans le système. Qu'est-ce que. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi je suis pas dans le système? What? 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 Je me rappelle pas. Ah, j'étais peut-être pas revenu tout simplement, comme un con. Oh, ça explique pourquoi il y a si peu de choses dans le coin. Rentre le train d'atterrissage. Train d'atterrissage rétracté. Bon, ça explique. Ça explique beaucoup de choses. Ok, bon. Je me disais j'avais du mal là, vraiment le début d'épisode était compliqué. Ok, on part, pardon. Ah, je vais y arriver. C'est la 1, 2, 3, 4ème vidéo de la journée, ça va. C'est pas une trop grosse journée aujourd'hui, c'est un dimanche. Et comme chaque dimanche, non je rigole, je vais pas me balancer, je vais pas partir là-dessus, ça va pas le faire. Hop, c'est parti. Encore une fois, dites-moi si le son est bon. Alors en plus, je viens de changer de version de GeForce Experience. Du coup, il m'affiche plein de notifications. J'ai fait la mise à jour, en fait j'ai voulu faire la mise à jour de ma carte graphique. Comme j'étais connecté, il m'a dit oh, ouais, il y a une mise à jour de GeForce Experience en 3.0. Waouh, génial. Alors du coup, je l'ai faite. Et du coup, il m'affiche plein de notifications. J'espère qu'elles vont pas s'afficher. C'était pour mes pilotes graphiques et ouais. Ok, enfin bon, c'est pas grave. Planète Terre, on va aller autour de les trois puissants. On va aller à Abraham Lincoln à nouveau, hein. Et on va voir ensemble, chers amis, ce qu'il y a comme quête. L'objectif étant de faire de l'argent et d'augmenter la réputation auprès de la Fédération. C'est une nécessité, chers amis. Nous devons le faire. On est 81% du rang major, nous sommes rang 6. Je ne me rappelle déjà plus. Hop. Nous sommes rang 6, il faut être rang. Bon, je vais louper la zone si je continue. Il faut être rang. T'as un problème, l'ami? Fancy, qu'est-ce qui t'arrive, mon ami? Qu'est-ce que tu me veux? Pfff, un débat. Ah. Déploie l'armement. Disposition des combats. Ah, puis il est agressif en plus, hein. Alors moi, il va falloir que tu m'expliques pourquoi t'as voulu m'attaquer, toi. Alors. Où es-tu, trou du cul? Il me revient dessus. Ok. Hop. Une réaction rapide déployée sur site. D'accord. Bon, ça ne sera pas nécessaire, je m'en sors très très bien. Ne vous inquiétez pas. Alors, raté. Tiens, boum. C'était fait exprès, hein. Je préfère. Pouah.
200 crédits. Le mec c'était un branleur. Bon, permettez. Désactive l'armement. Armement rétracté. Toute la puissance dans les moteurs. Full. Ah, c'était ça qu'il fallait que je corrige, full. Initialise le saut FSD. Activation HSD. C'est parti. Alors. Peut-être réussir à rentrer du coup, oui. Alors, attendez, j'essaie de faire ça en même temps parce que le pire c'est que... Oh la vache, faut qu'on aille au rang 12, contre-amiral. Ah bon, on n'est pas rendu, tiens. Je peux vous le dire, on n'est pas rendu, chers amis. Bon. C'est pas grave. J'ai pas envie de grinder, donc tant pis. Tant pis, tant pis. Alors. En douceur. En douceur, en douceur. D'accord. Hop. Désactive le FSD. Ah. Bon, je croyais que j'avais une phrase là-dessus. Train d'atterrissage rétracté. Ah, ça explique. Ouverture de la soupe. Voilà. Le problème c'est que je sais pas si elle m'entend là. Initialise le saut FSD. Non elle passe pas. Elle m'entend pas. Ouais non je sais pas, je crois que j'avais mis une phrase. Initialise le saut FSD. Non oh, je ne sais plus. Je ne sais plus. Hop, allons-y, c'est pas grave. On va y arriver. Faut le temps que je me mette en jambe avec le comment le système de comment de chat vocal. Ne vous inquiétez pas. Hop. C'est parti. Sors le train d'atterrissage. Train d'atterrissage déployé. Hop. Je mets bien dans l'axe. Respecte les limitations de vitesse. Fais ça propre. Littéralement, on fait sa propre. 18. Merde, je regardais pas, j'ai complètement perdu moi. Oh là là, j'ai des... Si c'est bon, c'est là. J'ai des... Des réflexes, des réactions qui ne partent plus aussi rapidement qu'avant dans ce jeu. Comme quoi, vous voyez, je vous l'avais déjà dit, hein, mais... Quelques jours suffisent pour perdre des... Hop. Oh, bon, je suis un peu brutal. Je suis un peu brutal, c'est pas grave. Service de spatioport, quand même. réparation, parce que je suis curieux de voir si j'en ai. Oui, j'en ai un petit peu, je suis quand même rentré en cac dedans. Par contre, le filtre est vraiment laid, là. L'espèce de filtre très très moche que j'ai devant l'écran. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas. On reviendra dessus. Je reviendrai dessus aussi. Hop. Vous voyez, ça floute des parties de l'écran, je comprends pas pourquoi. Hop. Mais je vais corriger ça, vous inquiétez pas. Bientôt une nouvelle... Ah oui, c'est vrai, je devais vous faire une... Une review. Enfin une... Ah bah, je la ferai dans le prochain. Je suis désolé, chers amis. Je devais vous la faire, mais j'ai complètement zappé que je devais la faire. Oh, zut. Excusez-moi. C'est-à-dire qu'en fait, avec tout le bordel de commandes de GeForce Experience, j'ai complètement zappé que je devais préparer ça. Bon, on le fera dans le prochain. Je vous promets dans le prochain. Pff, ce sera mardi. D'accord. Ok. Faut que je mette une alerte sur mon téléphone. Faut que j'y pense. Alors, dans l'émission de la Fédération, donner 125 000 crédits à la cause. Bah écoute, pourquoi pas, tiens. Donner 1 million de crédits à la cause ou presque. Putain.
Bon, je vais les donner, c'est pas grave. Hein. Alors, il faut aussi que je vois pourquoi c'est aussi lent chez moi de récupérer l'émission. Est-ce que c'est aussi lent chez vous? Je ne sais pas. Hop. Donc, nous sommes à 81%, nous avions dit. Hein. Oui. Hop. Voilà. Ça, c'est fait. Ça fait mal au sous, mais c'est pas plus mal. Et on est passé à 83. C'est toujours ça de prix. Ici. Livraison pour 235 000 crédits. Ici. Ah, c'est dommage. Il n'y a pas une seule fois Epsilon Indy. Epsilon Indy, là, ça fait combien? À peine 350 000. C'est pas énorme. Hein. 125 000 crédits à la cause. Eh bien, écoute, je te donne ça aussi. Il n'y a pas de souci. Il n'y a absolument pas de souci. J'ai dit que je voulais pas grinder, que je voulais pas faire que ça, donc je ne vais pas faire que ça. Là, en l'occurrence, j'ai à peu près 1 million à grappiller quelque part. Hein. Donc là, je vois Epsilon Indy. Ça me prend énormément de place dans l'inventaire, cela dit. J'ai peut-être joué au con, là. J'ai joué au con, à mon avis. C'est dommage. Epsilon Indy. On va regarder s'il n'y a pas une livraison de données ou un truc comme ça. Hop. Epsilon Indy, j'ai rien d'autre. Epsilon Indy, j'ai rien ici aussi. Ah, c'est dommage. J'ai chié dans la colle. C'est pas grave. C'est pas grave, on va la faire. On va la faire. Bah c'est parti, écoutez. Hop. Ouais, j'aime pas le filtre. Je sais pas pourquoi ça me fait un truc comme ça, mais j'aime pas. L'émission, ça devrait se voir normalement assez simplement. Voilà. Hop. Et on doit aller dans quelle station? Schneider Relay. Ouais, je vais enlever ce principe-là parce que je trouve ça très très moche que ça me fasse une espèce de filtre flou sur le visage. Je ne comprends pas pourquoi. J'ai de la buée sur mon viseur apparemment. Enfin, sur ma visière plutôt. Rentre le train d'atterrissage. Train d'atterrissage rétracté. Oula, ça va pas passer. Si il avance, il avance. Parfait. Merci à toi. Alors. Allons-y. Verrouille le prochain itinéraire. Verrouillage du prochain itinéraire. C'est par principe que je le fais, chers amis. Hein. Initialise le saut FSD. Activation HSD. J'imagine que j'ai dû rajouter un truc genre désactive le saut FSD. Oh, excusez-moi. Oui, j'ai dormi cette nuit, mais j'ai pas l'impression d'avoir... De m'être reposé, c'était compliqué le matin, ce matin au réveil. En fait, j'étais encore plus... comme si j'avais pas dormi, en fait. Tout simplement. C'est chiant. c'est chiant. Mais bon, c'est comme ça. Alors, la suite. La suite. Hop. Voilà, c'est ici. Hop. Allons-y. On a plein de choses. Mission plasma 1. Ah, je peux faire le niveau 1 de plasma, d'accord. Injection FSD, ouais, bon. C'est pas la partie du jeu qui m'intéressait le plus, en fait. Oula. Peut-être un poil vite, là. Ça va être mieux comme ça. Hop. Alors normalement, une fois que la rentrée se sera tassée, chers amis, je pourrais me reprendre les lives dessus, sur Elite Dangerous, comme sur Overwatch, d'ailleurs. Ça va être sympa. Je vais pouvoir tourner à un rythme un peu moins élevé. Ça va être ça aussi très très cool. Parce que là en gros, quand je tourne à l'avance ce dont j'ai besoin, je sais que je peux me coucher vers 4h du matin. Hein, pour reprendre à 8h le lendemain. Hein, 8h, enfin bon, me lever à 8h le lendemain et reprendre à 8h30 le lendemain.
Ce qui peut être parfois très très compliqué. C'est une station, mais elle est légèrement derrière en fait. Voilà. Hop, donc on va essayer de s'écarter un petit peu de l'astre. Pour ne pas se prendre trop de ralentissement dans le nez, mais c'est trop tard. Hop, allez, on va reprendre de l'accélération, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Attention. Allez. Voilà, ça raccélère. Parfait. J'espère que le désengage de FSD va marcher. Sinon on n'est pas dans la merde. Je vais quand même garder le bouton prêt au cas où, on va dire. Hop, de toute façon on va pas très vite, hein. On a le temps. Hein. On aura le temps. On aura le temps, vous inquiétez pas. Alors, attention. Désengage le FSD. Coupure FSD. C'était ça. c'était ça. Cool. Cool. J'avais pas noté sur mon papier en fait, c'est pour ça. Parfait. Hop. Ah là là. En plus, je sais de quoi je dois vous parler, mais j'aimerais vraiment être exhaustif. J'ai un rapport de mission qui a été modifié. Espérant que vous continuez à nous soutenir, sachez que je vous serai toujours ravi de vous accueillir dans nos ports. D'accord, bah vous êtes sympas les mecs. Oula, ça va être short. Aïe, j'ai touché. Oh là là. Sors le train d'atterrissage. Train d'atterrissage déployé. Oh là là, j'ai fait du caca quand même. Hein. Là j'ai fait du gros caca, hein, je veux pas dire mais. Armement rétracté. Ok, j'ai fait beaucoup de caca. Hop. Désactive l'armement. Armement rétracté. Ferme la soute. Soute fermée. Merci. Ouh là là là. Mais vous voyez, il faut vraiment que je reprenne tous les réflesques. Hein. Oui, j'ai bien dit réflesque exprès. Ne vous inquiétez pas, c'est une blague, on va dire familiale. Ok. Par contre, il faudrait que je trouve mon chiffre à moi. Poupilou, pilou, 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 pilou. Alors, plateforme numéro 37. Hop. Est-ce que vous voulez... Ah putain, je la vois, ça y est. Hop. Hop. Hop, ça y est, on est bon. Hop. Oh. J'ai encore bourré. Bon, c'est pas grave. C'est vraiment un coup qu'il faut que je reprenne, ça, chers amis. Hein. C'est fou, hein, comme ça peut partir rapidement, ce genre de choses. Ok, c'est parti. Si je pouvais avoir un truc dans le système sol, ce serait vraiment génial. Une mission de la Fédération en direction du système sol, ce serait vraiment très très cool. Merci. Ici, par exemple, ce serait vraiment bien. Pour 23 000, je vais pas me déranger. Bon, ici. Allez, un petit système sol. Oh, mais merde. Rien qui passe. Hein. Y a rien qui passe. En plus, c'est que des petites missions. Rien de bien gigantesque. Y a vraiment rien pour le système sol. Même dans les missions. Ah, même dans les missions, là, y a rien. Tant pis. Tant pis. Chantier naval, ils en ont un juste pour voir. Cobra, fédéral, corvette. Bah oui, mais attends, je suis pas près de l'avoir, moi. Pas près de l'avoir, mon rang. Boum, 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 boum. Bon, c'est pas grave. Contact, est-ce qu'on a des choses? Donc, c'est toutes les primes reçues de la fédération, 83 000. C'est toujours ça de près. Hop, et ici, rien du tout. Ok. C'est toujours ça de près. Bon. J'ai l'impression de passer plus de temps. Ah oui, alors je voulais voir aussi si j'avais des... Fait-on jamais? Non. Ok. Ouais.
Falloir que je voie pour plein de choses, chers amis, pour que je voie pour plein de choses. Ce sera potentiellement à faire dans la prochaine mise à jour, puisque ce sera plus facile en fait. Ce sera en fait grâce, alors petit spoil vis-à-vis de la commande de la prochaine mage, il sera normalement possible de commande. Oula, Lorca. De faire rapatrier ses vaisseaux sur une station, ce qui va être extrêmement pratique. Rentre le train d'atterrissage, s'il te plaît. Train d'atterrissage rétracté. Hop. Et oui, donc du coup, ça me permettra en fait de rallier tous mes vaisseaux à un seul endroit et de repartir avec d'autres vaisseaux. Quoi. Ça va être extrêmement pratique et on va avoir beaucoup plus de facilité à varier un peu les épisodes. En passant de vaisseau à vaisseau, si par exemple je dois reprendre un chasseur ou n'importe quoi, ça va être beaucoup plus simple. Alors, nous on va retourner sur le système sol. Attendez, zone de conflit. Ouh. Initialise le saut FSD. Activation FSD. Ça peut être sympa. Ça peut être drôlement sympa. Alors. Alors. Ah, par contre, c'est dommage, c'est tout bête, mais j'aimerais bien que le... C'est tout con, mais... Que l'ordinateur de bord, en fait, vous... les derniers instants, vous savez, les 10 secondes qui restent, qui nous fassent un petit... Hop, là, je te remets bien dans l'axe, t'inquiète pas, tu vas pouvoir kiffer comme ça. Je trouve ça beaucoup plus sympa, en fait, d'avoir le... Ouh là là. Ah oui, je l'ai bien... Bien foiré, celui-là, hein. Ok. Attends, comme il faut hein, sur la vitesse. Ok. Attention. Désengage le FSD. Coupure FSD. Ouh. Alors, zone de conflit. Normalement, dans ces zones de conflit, il faut choisir une faction. Indie ou flag ou centrale. Bon, je prends celui-là, moi. Hop, j'en sais rien. Hop, l'armement, le bon armement. J'aurais dû demander à... Attendez. Déploie l'armement. Disposition des combats. Voilà, comme ça, elle me met directement en bonne position. Une posture, littéralement. Posture de combat. Hop. J'ai cru voir du rouge là-bas. Ah, là. Oh là, il y a beaucoup de rouge. Chasseur de défense, F... Wouah. Mais je suis sur la... Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible, je suis pas sur la version d'essai ou n'importe quoi. Hop. Presque mort celui-là. Ok. Parce que normalement, les chasseurs de combat, chers amis, ce sont des... Oh, c'est bizarre. Oh, ça me choque, chers amis, je suis désolé, mais... Ça pourrait être suffisant, un petit coup de boost pour m'en rapprocher. Ok. Ah, ça me choque, je suis désolé, c'est... C'est des choses qui sont censées être présentes dans la prochaine mise à jour, mais peut-être qu'ils ont intégré avant, hein. Remarque. Pourquoi j'ai... C'est pas le bon. Voilà. Hop. Hop, je sais pas si je l'ai touché. Ah, fusée. Hop. Hop, boum. Il envoie des fusées à nouveau. Hop. Elle a senti passer par contre. Ok, au suivant. Ah, il a encore survécu. Voilà, on va finir comme ça. Voilà. Il est mort. Ok, là c'est passé au suivant. Un vulture. Ok, on va faire un petit peu de combat, ça va nous faire du bien. Ça fait longtemps. Hop. Alors j'ai été très flatté quand quelqu'un m'a dit que j'arrivais à faire des combats avec un Joy et pas avec la souris.
Apparemment, il y a beaucoup de joueurs qui lâchent le joystick au moment où il y a du combat à faire et qui passent sur la souris. Ça m'a étonné, parce que je trouve que la souris, c'est complètement... Enfin, vu l'aspect, le principe du jeu, je trouve ça un petit peu... dommage. Un copain, ça. Oh, putain, tu m'étonnes qu'on gagne. Tu m'étonnes qu'on gagne. Ok, allons-y. Hop. Ah, je suis under attack. Oh la vache. Et ils me font mal en plus, hein. Je veux pas dire, mais... Ah mais merde, ils sont plus rapides que moi en plus. Utilise une cellule d'énergie. Reçu. C'est une corvette qui me fait... Je comprends pourquoi je me prends plein de dégâts. Utilise une cellule d'énergie. Reçu. Ah j'ai plus de bouclier, fais chier. Fais chier. Alors là faut que je me barre. Initialise le saut FSD. Activation FSD. Ah merde. Allez, rentre les armes. Le bouton qui marche pas. Oh mais merde. Mon bouton de joystick a pas marché. Train d'atterrissage rétracté. Ah ah, il est drôle en plus. On va trouver ça, t'aurais pas défendu le deuxième. Ouais d'accord. Et j'ai pas été aidé, génial, merci. Bon, bah voilà. Voilà, mon bouton qui marche pas. Alors j'ai un bouton qui marche plus sur mon pad en fait. Sur mon joystick. Confirmer le choix de l'ancienne configuration, oui. Ah, c'est bête. J'ai appuyé sur le bouton, je sais pas si vous avez entendu, mais le bouton il fait toc, mais il fait pas clic. Vous voyez, écoutez les différences. Je sais pas si vous entendez. Moi je l'entends et c'est... Ah c'est dommage, j'aurais dû demander à l'IA. J'ai stressé, j'ai pas demandé à l'IA. Ah merde, j'ai encore perdu des sous bêtement. Ah. Bon. Est-ce que t'as vite fait un truc à me donner, Simone? Une quête à me donner. Que je puisse me refaire un petit peu d'argent en direction le système seul. Parce que là j'ai perdu 7 millions, ça fait mal. Alors. Ah bah non, ça va être les mêmes quêtes que tout à l'heure en fait, tout bêtement. Verdandi, bah écoute, on va faire ça. Véro Andy. On va regarder s'il n'y a pas d'autres quêtes qui vont dans cette zone là. Alors, Véro Andy non plus. Et c'était la dernière, d'accord, il n'y a qu'une seule quête. Ok. Eh ben écoute, on y va. Ah puis ce truc m'énerve, le flou là, l'espèce de flou artistique débile m'énerve. Alors Véro Andy c'est où? Oula, c'est où? C'est où? Véro Andy. Allez, je m'en doutais que ça allait être AN. Ah, j'ai bourré le micro, je suis désolé. Oh mais... Pff, cette interface. Ah oh, mais merde, en plus je me trompe. Ah. Hop, cette interface qui bug complètement. Véro Andy. Voilà. C'est là, il y a quelques années-lumière quand même, comme on dit, hein. J'ai pas vu si je suis passé en économique ou en normal, putain. Ah, vous voyez les réflexes qui partent, qui ne reviennent pas. Itinéraire les plus rapides, itinéraire les plus économiques. Booster FSD, non sans booster, ok. C'est bon, allez on y va. On va se faire 300 000 crédits, c'est déjà ça de prix. C'est con parce que du coup j'ai perdu tout ce que j'avais encaissé jusque là. C'est dommage. C'est comme ça.
J'avais pas capté que c'était une Fédérale Corvette qui m'attaquait moi. Mais ce que j'aime bien, c'est, voilà, c'est un petit peu dommage, ça, c'est que... Bah non, 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 c'est pas dommage. Non, j'ai rien à dire, c'est ma faute. C'est juste ma faute. Bon, c'est pas grave, ça me plombe, mais c'est pas grave. Allez, on y va. Rentre le train d'atterrissage, pétasse. Train d'atterrissage rétracté. Hop. Ok, bon. Hop. Alors, est-ce qu'on va pouvoir sortir du champ gravitationnel ou pas? Apparemment non. On est voué à y rester longtemps. Initialise le saut FSD. Activation FSD. Wouh. Bon. Eh ben dis donc. Oh, c'était pas la joie. On va appeler cet épisode le retour en force. Haha, blague. Retour en force. Hop. Voilà. En même temps, je dis dans le début de l'épisode qu'il va falloir que je reprenne les habitudes et tout ça, et je lui dis bon bah après on va partir dans une zone de, dans une zone de combat, pourquoi pas. Elle est bête, qu'est-ce qu'elle est bête. Qu'est-ce qu'elle est bête. Oui, j'aimerais bien, en fait il y a un vrai bouton, vous savez que je puisse appuyer sur le bouton, mais en fait il n'y a pas de push to talk pour ce logiciel. Du coup en fait j'ai oublié d'activer et de désactiver l'écoute. Et c'est vraiment embêtant. Hop, petit peu de carburant. Qui va être encore une fois, ce genre de choses va être encore une fois bien amélioré dans la prochaine mise à jour, vous inquiétez pas pour ça. Initialise le saut FSD. Activation FSD. Hop, vous allez voir, ça sera beaucoup plus simple. Hein. On pourra, bah, je vais juste vous, un petit spoiler, hein, c'est pas vraiment du spoiler pour le prochain épisode du coup, mais je vais vous l'expliquer, en fait on aura moyen carrément de choisir, en fait, de passer par les étoiles qu'on veut, de sélectionner les étoiles par lesquelles on veut passer. Hop, comme ça en fait on pourra s'assurer de toujours avoir une recharge de carburant sur le trajet. Ce qui est logique en soi, c'est extrêmement logique. Le véritable souci qui est un peu dommage, c'est que ça facilitera peut-être un petit peu plus les déplacements, en fait, tout simplement. Mais bon, n'inquiétez pas pour ça. Ah, vous voyez, par exemple, celle-là, je peux pas recharger dessus. J'ai essayé, mais je peux pas. Initialise le saut FSD. Activation FSD. Hop, on repart, et on sera arrivé. Ok, bon. Ça aura pas été trop long, tu me diras. Vous me direz. Bon. On va se faire 300 et quelques mille crédits, là. C'est pas gigantesque. Je vais me renseigner pour un orca. Truc de fou. Pour un orca, et on fera des missions particulières à la sortie de la, de l'extension. La sortie de la mise à jour, pardon. La sortie officielle de la mise à jour, attention. Hein. Pour la sortie officielle de la mise à jour. C'est-à-dire qu'on fera pas d'essais. On fera peut-être des essais. Même pas. Je suis même pas sûr qu'on fera des essais pendant la bêta de la mise à jour. Parce que j'aurai accès à la bêta. Hein. On fera au moins des essais, on fera au moins de l'orca une fois que le jeu, le jeu sera mis à jour officiellement, entre guillemets. Parce que ce sera une nouveauté véritable et qu'il y aura vraiment tout un gameplay avec. Et que, aussi, ça j'y ai pensé tout à l'heure en fait. Alors, oui, c'est vrai, il faut que je cherche encore la station. Voilà, il est là. Hop. Ah, ça va être sur une planète en plus, ça va être cool, on va pouvoir se poser. Parce que, tout simplement, bah, ça donne un aspect, en fait, inception, entre guillemets, à la vidéo. C'est-à-dire que je transporte des touristes, je vous emmène avec moi dans mes vidéos, vous voyez par le cockpit, et, écoutez, je vous fais voyager dans ces vidéos, et du coup, ce sera, vous voyez, l'inception entre le fait que je vous montre des choses, et je vous fais participer. Et de ce que j'ai pu en voir, entre guillemets, de ce qu'on en dit les développeurs, il y aura plein de choses différentes à faire suivant le type de personne que vous baladerez. J'entends par là, par exemple, si vous baladez des VIP, les VIP, par exemple, aiment bien aller se balader dans les zones de conflit et en survivre. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je pense que oui. Donc, il y aura des moyens de rigoler, à mon avis. Et j'espère en tout cas qu'on rigolera beaucoup avec cette petite nouveauté. Et surtout, ça rapportera normalement une bonne somme d'argent, ce qui pourra en fait faire d'une pierre trois coups, c'est-à-dire la réputation. 4 coups de la variation de gameplay,
un aspect très, très intéressant que je trouve rigolo moi, dans les vidéos, là du coup, là, l'espèce d'inception, et forcément un revenu qui permettra d'avoir un vaisseau qui sera potentiellement plus grand, pourquoi pas d'abord un anaconda, ou alors passer directement, le cœur nous en dit, à des vaisseaux un peu plus gros, peut-être pourquoi pas le niveau au-dessus de l'Orca que je vous présenterai bientôt. Enfin, que je vous présenterai déjà à l'oral dans un prochain épisode. Ah, d'accord. Ça me l'avait jamais fait encore ce truc-là. Et donc, il va se passer quoi? Je vais me désintégrer, non? Bah mieux. Ok. C'est pas grave. En même temps, j'y vois que Quick là. Hop. Ok. Ah, apparemment, j'ai loupé la mission, non, c'est ça? Vous aviez 0 minute. Ah bah oui, bah effectivement, bah oui, voilà. Donc ça n'a pas été corrigé, ce genre de bug. Génial. Par contre, j'aimerais bien commencer à voir où est-ce que je vais me poser. Ah bah je suis loin en fait, c'est ça, non? Hop. Je suis haut et loin, je crois, en fait. Donc je comprends pas où est-ce qu'était le problème, finalement. C'est dommage. J'ai encore pris des dégâts pour rien. J'ai pas compris ce qu'il y a eu, mais bon, c'est comme ça. Donc le nouveau vaisseau qui sera au-dessus de l'Orca, je vous le présenterai à l'oral, donc premièrement dans la présentation de la future mise à jour du prochain épisode, puis je vous le montrerai, je pense, pendant la bêta, et on verra ce qu'on peut en tirer de ce vaisseau. Apparemment, ce sera un Orca un peu plus, beaucoup plus balèze, hein, énormément. Je crois que ce sera peut-être potentiellement le plus gros vaisseau du jeu qui sera sorti. Pour ce qu'il en est. Et ce sera un Orca en fait un peu plus capable de se défendre, on va dire, normalement, d'après ce qu'ils voulaient en faire. Et donc aussi plus apte à transporter des personnalités VIP, pardon. Mais bon, compte tenu de la taille du vaisseau, on peut s'imaginer que le vaisseau dépassera forcément le prix de la Fédérale Corvette. Et ça m'embête un petit peu, à vrai dire, mais bon, c'est comme ça. De toute façon, on peut se balader avec un Orca pendant quelques temps aussi. De toute façon, on va avoir tellement d'Orcas pendant un temps que ça va être terrible. Ok. Putain, c'est laquelle? 07, Roger, mais c'est laquelle? Sors le train d'atterrissage. Train d'atterrissage déployé. Faut que je puisse... Please take care. Hop. En tout cas, elle est sympa cette ville. Même si j'y vois rien. Oui, mais enfin bon, attends, tout 100, moi je veux bien, mais. Hop. En douceur. En douceur. Hop. Eh, c'est pas si mal comme approche, honnêtement. Hop. Honnêtement, cette fois-ci, je suis assez fier de mon approche. Bon, entrée dans le hangar, service de spatioport. Tiens, je suis curieux de savoir s'ils auraient pas un Orca dans la région. Hop. De toute façon, faudra qu'on aille dans le réseau du chinois pour l'acheter, l'Orca, déjà de base. Juste pour voir s'ils en ont un à vous montrer. Non. Ils en ont pas. Dommage. Ok. Bon. Tableau de mission, on va aller lui rendre sa mission à 350 000 pesetas. Hop. Ok.
Et voilà qui est fait. Parfait. Parfait, parfait. Et donc, est-ce qu'on est passé à 86 ou 87? Non, même pas. Dommage. Dommage, dommage. Il n'y a qu'une seule quête et dans le tube Camui. Non, moi j'aimerais rejoindre le système sol. Ok. Eh bien écoutez, chers amis, du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour nos aventures. Salut les gens et yop!